Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Kena Bridge of Spirits. Et comme d'habitude, un petit truc à boire ou et à manger, évidemment. Posez-vous, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. Évidemment, mettez en 4K 60 FPS si vous le pouvez, parce que croyez-moi que ça vaut réellement le coup. Et j'étais bloqué à ce fucking sanctuaire. Je ne sais pas comment faire. Donc on essaye des trucs et on verra bien ce que ça donne. Même si j'ai déjà fait tout le tour. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a un problème. Il y a un problème. J'ai déjà fait littéralement tout le tour et rien n'y fait. Je ne comprends pas. Pourtant, je suis sûr qu'il y a que 4 flammes. 1, 2, 3, 4, et je vois rien d'autre en fait. Ah, on a un bruit là, non? Qu'est-ce que c'est? Là, les bougies s'éteignent. 1, 2, 3, 4, ça fait un peu de la musique. Attendez, je suis malade ou... Et ça a toujours le même sens. 1, 2... Donc il y a un sens. Il y a un sens. Est-ce que vous croyez qu'avec le son, ça peut le faire? Ah, la bougie vient de s'allumer! Et là... Ah, j'ai chié, j'ai allumé, c'est la 4. Et là... J'ai allumé, c'est la 2. Donc 1, 2... Et là... J'ai donc allumé, c'est la 3. Ok, 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 ok. Oh ouais, non, c'est recherché, ça, les reufs. Donc, 1. Alors, c'était l'ordre. 1. 2. On est bon. Ça, c'est celle à 4. Que j'avais mis en deuxième tout à l'heure. 3. Et 4. C'est ça? Oh là! Non mais attendez, mais on aurait pu, on aurait sincèrement pu galérer des heures entières là-dessus, c'est terrible! C'est terrible! Oh, quel bonheur d'avancer! Quel bonheur! On avait perdu au moins 10 minutes lors de la précédente vidéo. Les enfants et Taro pêchaient souvent dans ces ruisseaux. Dans la quiétude de la forêt, je peux presque entendre leur voix. Taro, sa sœur et son frère se sentaient en sécurité dans ces bois. Vous les avez bien instruits. Et ben voilà. Et si je fais ça, je sais pas, peut-être un bonus, non, quelque chose, parce que franchement, oh, c'était recherché. Oh là 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 là. Bon, écoutez, c'est plutôt une bonne chose de fait, j'ai envie de vous dire. Il reste quoi? Amour de tarot. Donc l'objectif, restaurer le sanctuaire de l'arbre divin. Et c'est donc cet objectif-là, pardon. Et il est... Il est là, c'est ça? Ah, on a le point bleu ici, ok. Donc il faut que j'aille tout là-haut. Ok. Sûrement passer par cette plante. D'accord, très bien. Très bien. Ça me paraît sensé. Bon, bah direction les hauteurs, direction les arbres. Et on verra un petit peu ce que ça va donner. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a une plante à laquelle s'accrocher. Là, on a une plante à laquelle s'accrocher. Là, oh, attendez, ça peut-être... On sait jamais, un miracle, non? Non. Là, on n'a rien en haut, rien ici. Alors là... Là, je vois pas... Ah, d'accord, ok. Ok. Ok, bah fallait, ouais, bon. Ok, j'aurais pu aussi rester des heures là-dessus, je vais pas vous mytho. Il faut clairement avoir l'œil, mon petit pote, comme on dit dans le milieu. Et là, souvenez-vous, il fallait une puissance très, très puissante et très obscure pour pouvoir... Il y a quelque chose ici. D'où Jésus, il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que ça peut être, tout ça? Qu'est-ce que ça peut être tout cela? Peut-être un rot? Ça serait cool. C'est... Oh, oh, c'est un beau sac. Alors ça... Qu'est-ce que c'est?
Courrier des esprits ramassé. Ok, très bien. Let's go. Let's go, let's go. On repasse en haut. J'ai un courrier, ça c'est cool. On va pouvoir libérer la crime déjà. Et avant tout, libérer un petit village des familles. Donc ça, je vous avoue que je ne dis pas non. Hop, on va repasser là-haut. Très très bien, je suis très satisfait. J'ai hâte d'aller au village. Histoire de sauver le monde. Et là, on a encore quelque chose. Oh, je vais me faire arracher la gueule. J'ai un bruit un peu suspect. Allez les gars, hop, on y va. Mangez, hop, mangez, hein, vous arrêtez pas. Hein. Ici on se goinfe, c'est Bibi qui régale les gars. Hein. C'est Bibi qui régale. Très bien ça, très très bon. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Très bien ça, très très bon. Oh non, quelle angoisse. Quelle angoisse. Au moment où je décide d'utiliser ce putain de... Comment on peut appeler ça un ascenseur? Non, cette plateforme. J'allais dire un ascenseur horizontal, mais je ne pense pas que ça existe. Quoique ça serait une belle invention. Oh si, ça doit exister. Un ascenseur horizontal. Ce serait incroyable d'ailleurs. Ah ouais, mais non, parce qu'un ascenseur c'est fait pour faire une ascension. Oh là là, putain. Ah ouais, je suis désolé d'être aussi réfléchi, mais là c'est vrai que j'ai quand même les neurones en ébullition. Hein. Allez, on y va. Mais attends, peut-on faire une ascension horizontale? C'est ça en fait le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que personnellement, pour avoir vu plusieurs fois Inception, je peux vous dire qu'il y a des choses à faire. Je peux vous le dire. Ok, on a quelque chose à gauche. Ouais. Vache. Monsieur, vous avez perdu ça. Quoi? Oh, ça explose. Bah ouais, mais d'où Jésus? Oh, il est mort. Putain, c'est quoi ça? Oh, l'angoisse. Oh non. Ça, ça a pété. Quoi? Sauve-moi! Tchouhou! C'est chaud. Ok. Oh là là, mais c'était incroyable ce qui s'est passé. Ah, elle a arraché son pote. Ça c'est terrible ça. Ça c'est... Les gars vous... Oh ouais, mais qu'est-ce que tu fous là toi? Bon! Terrible là, oh! Eh, on a eu tellement chaud, c'était tellement stylé aussi ce que j'ai fait, je vous l'avoue. Allez dégage. Boum! Eh ben voilà le dernier sanctuaire, s'il vous plaît! Normalement on a réallumé toutes les flammes. Toutes les flammes de ta vie, ouais, ouais. En toi réunis, ouais. Ok. Il y a une plateforme ici. Alors là, ça m'emmène où, ça, ce petit truc, là, des devoirs. Ah, il y a quelque chose à mettre ici. Pas à moi, Zinedine, hein. J'y vais. Allez, salut, mon pote. Non. C'est pas l'effet, estompé. Ah, beaucoup mieux. Ok. Ok, ok. Ça, on prend. Quoi d'autre? Ça, c'est pour faire du ride. Ah, mince, catastrophe. Ah, catastrophe. Prenez, hein, les potes, hein. Mangez, hein. Voilà, régalez-vous. Vous êtes un peu timide? Allez. Toujours. C'est les deux petits qui mangent. Oh, il est mignon, lui. Comment il a piqué un fruit en cachette? Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On repasse en haut. Pas envie de descendre pour remonter, refaire tout ça. En cas de catastrophe majeure. Ah, le frérot, qu'est-ce qu'il va nous dire? Taro! Certains croient que les sanctuaires représentent les gardiens de la forêt. De là-haut, il est facile d'imaginer qu'ils veillent sur les terres. Ok, parce que je ne sais pas lire ça, ça, il faut le comprendre. Quitter l'école pour être magicienne, les potes, donc... ouais, je suis un peu en flux tendu, là, en ce moment, hein. Alors là, on n'a rien. Là, on a peut-être un truc, non? Qui sait? Que dalle. Ok.
Bah mince. Voilà. Voilà ce qu'on retiendra de cette... Oh si, regardez. Oh, il y a quelque chose là d'où Jésus. Est-ce que... Alors attendez. Il existe bien. Il y a bien quelque chose. Ici. J'ai... Ah, d'accord. Il faut mettre quelque chose ici qui va nous faire up, je pense. Non. Et par la magie, nous amener là-haut. Ah, ou alors juste faire ça, peut-être. Ah ah. Terrible, hein. Ok. On a quelque chose. Et un petit rot en plus. Let's go. Un frère, on l'aime celui-ci. 25 rots. Très bien. Mais alors par contre, il existe encore, il y a encore quelque chose à faire. Oh, let's go. Ok. Et là, let's go. Et ça va faire quoi ça? Alors ça, mon petit pote, je peux pas utiliser et le bâton. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Il y a forcément un truc de ouf à faire, mais quoi? Ah, donc le truc m'attend. Incroyable. Ne tombe pas, petite brebis. Ok. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Beaucoup d'argent. Donc on avait une larme juste pour ce petit passage-là? Je sais bien qu'on aime la thune et qu'on est dans un jeu capitaliste, n'est-ce pas? Juste pour ça? Ok, bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein. Je vais pas me plaindre, hein. C'est quand même mieux que rien. On va pas se mentir. Allez, on est parti. Normalement, ceci est ouvert, si je ne m'abuse. Boum! Let's go. Oh, what? Il est énervé, lui, hein. Ok, t'énerve pas, moi. Oh non, c'est tellement injuste. Injustice! Boum! Ok. Très bien, ça. Wow. Ah ah. Pouah. Allez, let's go. Oh, j'ai eu chaud. La vache. Commence à devenir compliqué, ce Kena, là, hein. J'étais moyennement prêt à cela. Bon, bonne chose de faite. Nous laissons des offrandes près de l'arbre gardien dans l'espoir qu'il protège nos êtres chers. Taro a laissé ceci pour les enfants. Il a dû être tellement épouvanté lorsqu'il a perdu. Un bon nombre des offrandes se trouvant ici ont été placées
par les premiers chefs du village. Des chasseurs doués qui utilisent l'énergie des esprits pour créer des armes puissantes. Je suis sûr que l'arbre gardien ne sera pas dérangé si nous les utilisions pour aider Tarot. Relique découverte! Offrande de nourriture! Ok. Ils auraient pu... Oh, regardez, il y en a un tout petit! Le frère! Oh, j'ai trouvé des rots. Regardez, lui! Il y a un rot, mon ref, il est tout mignon! Incroyable! Ok, ok, bon, bah c'est fait. J'ai envie de vous dire, voilà, voilà! Il manque plus qu'à aller là-haut et donc passer par ici. Mais il faut ouvrir le chemin menant à la grotte aux lanternes. Donc, on va passer par la droite! Et... On commence à être des machines? On va pas se mytho? Vous en pensez quoi, là, un petit peu? Dites-moi en commentaire. Désolé d'ailleurs, c'est vrai que depuis quelques jours, vous n'avez pas eu malheureusement d'épisode de Kena. Mais voilà, ces choses réparées à l'instant présent et toujours en 4K 60 FPS. Vous savez que des fois, je préfère reculer si je n'ai pas le temps de rendre une vidéo en 4K ou autre. Plutôt que de sacrifier de la qualité, je préfère ne pas la faire et prendre le temps de faire le record au bon moment. C'est quelque chose qui me paraît bien plus capital pour moi. C'est pour ça que des fois, bah, vous n'avez pas votre épisode journalier ou votre épisode tous les deux jours. Et je pense que vous comprenez très bien pourquoi. La qualité avant tout, s'il vous plaît. Je pense que c'est compréhensible pour tous. Allez, on va ouvrir le chemin. Oh. Wouh ! Ah non, je me suis chié dessus quand même. Ok, let's go! Bonne chose de faite, mon petit pote. C'était quoi ce sorcier là? Oh! Quelle est cette magie noire? Ok, il est arrivé en mode énervé, mais tu sais, il a rien dit, frérot. Il est arrivé comme un ninja de Konoha. Je ne connais pas, pardon, quelle corruption vous attendra à la grotte aux lanternes, mais j'imagine que l'esprit de Taro se battra jusqu'au bout. On est parti, le chemin est ouvert, Taro ne parle pas beaucoup, je peux comprendre. Peut-être qu'il nous aime pas plus que ça, n'est-ce pas? Bonsoir. Bonsoir. Ça en prend, mon petit pote. Ok. Ça, hop, on prend mon petit pote. Ok. Et ça... Bah ça, on ne fait rien pour l'instant. Et ça, qu'est-ce qu'il y a ici? Des tomates. Oh! Ouais, soulevez-moi ça, les potes. Un frère à vous? Oh! Il était bloqué, le ref. Allez, encore un nouveau rat. Et ça, ça fait plaisir. Ok. On peut passer à gauche. Donc, chose qu'on va faire, parce que je suppose qu'au centre, il n'y a pas grand-chose. Hop, voilà. L'escalade. On va passer par ici et on repassera par là. Bonsoir. Que se passe-t-il ici? Ok, ici c'est corrompu par la vermine. Très bien. On a une petite charrette quelque part. On a une petite charrette, paraît-il, quelque part. Alors, avant d'aller à cette petite... À cette petite charrette, j'aimerais juste visiter la gauche parce que le doute m'habite très fortement. Ok. Ce vieil équipement de camping porte le symbole d'un renard. Très beau ça.
très très beau ça. Ok, faut suivre la lumière. Ça me met le doute déjà. Ça, je vous le dis, on va voir un petit flashback. Ça va être incroyable. Ouais, let's go. Utilisez le masque. Allez, que s'est-il passé sur les traces de Taro? Ok, il a pris sa part, de toute évidence. Bon, 6... Eh, 615, c'est énorme. Attendez, on va pouvoir améliorer de belles choses, là. Il nous manque une relique. Néanmoins, regardez. Débloquez, tout en bandant votre arc pour créer une flèche. Mais non, mais ça, j'ai déjà... combattez. Commencez le combat avec une action tarot déjà disponible. Incroyable, ça. Appuyez sur R3 tout en bandant. En vrai... pour effectuer une attaque virulente. J'aime bien tout cela, moi. Commencer avec un rot en plus, ça me paraît pas mal. Et bander l'arc, ça me paraît pas mal aussi. Comme ça, si tout va bien... Ah, j'ai cru que c'était une échelle. Comme ça, si tout va bien, en faisant ça... Ah ouais, il y a une belle jauge en plus de slow motion. Qu'avons-nous là? Ok, ça n'a rien fait. J'ai à peu près aucun impact sur cette putain de nature. Hop, boum, ça c'est fait, c'est bébé qui arrive. Je te le dis, mon petit pote. Qu'est-ce qu'on a là, les gars? Oh! Qu'est-ce que vous me faites là, peu cher bonne mère? Boum! Boum, te dis-je. Bon, très bien. Y a rien à faire ici. Si je fais ça... boum! Bah mince. Quelle déception. Bah mince, bah mince, bah mince, bah mince. Que se passe-t-il, hein? Ah. 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 Hop, une petite goutte. Vous mettez ça ici, les potes. Et on est parti. Ça ne s'arrête plus, on continue. Ok, allez, hop, ramassez-moi ces belles larmes, je pleurerai des larmes de sel. Ok, quoi d'autre? Les petits potes. Ok, c'est pas terminé, oncle Jackie. On va peut-être aller... Ah ouais, d'accord, je crois avoir compris quelque chose. Pour avoir compris quelque chose de terrible. Mort. Très très bien. On continue. Viens par ici. Viens par ici, ma petite larme. Oh, t'es beau, toi. Oh là là, regardez, il refleurit au passage. Tellement stylé. Oh non, l'embot qui déconne. Ah. Mort. Ok. C'est pas terminé. Très bien. C'est pas terminé. Ça s'arrêtera donc jamais. Bon. Ok, c'est pas terminé. Ça s'arrêtera donc jamais. Allez, direction. Direction cette petite grotte. Oh là là, c'est terrible. Je n'y arriverai donc jamais. Allez, tout le monde meurt là-dedans, j'ai rien à péter, moi, trop connerie. Hein. Pas commencer à me casser les couilles. Et je...
Et ben voilà, aucun sou sans... Oh, ok, quelque chose en bas. Bah vous savez ce qu'on dit, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, tiens, toi. À quoi tu joues? Allez, bouffez-moi ça. Bouffez-moi ça, ça c'est des petits points et j'aime bien les petits points. Bouffez-moi ça aussi. Et ben voilà, encore à nouveau. Hop. Oh, regardez, ils sont deux pour soulever la... Presque. Ça m'a fait rire. Sachez-le. Et j'adore rigoler. Parce que j'aime l'humour. Hop, Zinedine. Tiens, 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 regarde. Qui voilà-je? On avance très très bien, là, je suis très content de cet épisode. On avance à merveille. Point trop d'en faux. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, parce que derrière, boum, ça va faire de l'argent. Voilà, et ça permet aussi de relier les chemins, n'est-ce pas? Et là, on va pouvoir descendre ici, mais on va pouvoir aussi monter, mais c'est incroyable tout ce qu'on vit là. Attendez, non, c'était pour, c'était le même raccourci. Allez, on est parti. Bonsoir, hop, ça ride ici, dites donc. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ok, bien, ça me plaît. Ça me plaît. Ça va ride encore un peu. On s'enfonce en enfer, ça je reconnais. Ça va être un boss, hein. Ça va être un boss, ça va être l'heure du duel, je vous préviens. Yo les gars. Ah, putain, il est balèze. Il a des verrues un peu partout. Oh beau ça. Ouais, je fais des bruits, j'aime bien faire des bruits quand l'action est stylée, tu vois. Je trouve que ça rajoute ce petit cachet un petit peu d'acteur. J'ai pris une calotte de ses morts. Littéralement, hop, de la vie. Oh, wow, 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 on respire ici, là. Oh, oh la vache. Quelle vie de merde! Oh! Ah ouais, c'est chaud. C'est tendu, Natacha! Ben voilà une bonne chose de faite, les bibiches. Libérez Taro. Hop, ça en prend, hein, par contre. Pas se foutre de ma gueule, hein.
Relique découverte, lanterne. Ça va faire combien de rotes tout ça? Oh, Sougoï. Deux rotes, me semble-t-il. Je ne dis point n'importe quoi, point trop n'enfant comme on dit. Allez, prenez le pote. Ça, gavez-vous, ceci est mon sang. Ok. On a quoi d'autre? C'est tout? Déjà très bien, vous allez me dire, mais enfin. Je suis jamais rassasié, moi. Je veux des récompenses à foison, hein. Le jeu est réellement... Je vais pas faire le man. Le jeu est pas facile, pour le coup. Voilà, c'est dit. J'avais besoin de vous le dire, j'avais besoin de me confier à vous. Et c'est... C'est de la technique, quoi. C'est de la technicité. Après, c'est vrai qu'il faut peut-être un pack plus 10 pour faire ce genre de truc. Chose que je possède sans aucun problème, mais enfin, tout de même. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on fout dans cette putain de... Ok, on est reparti. On va suivre le frère. Ça sert à rien, de toute évidence. On est reparti dans une forêt maudite. Je viens de faire un boss. Je peux peut-être être régalé, je sais pas. Hop, voilà. Merci, hein, pour rien régaler. Très bien. Et donc, par conséquent, quelle est la suite des événements? Ah, d'accord, ok. J'ai compris. Je pense... Il va falloir jouer avec les pierres sur les arbres jusqu'au bout. Voilà. Ça, faut le remettre en place. C'est vrai que c'est très stressant. Ah, quoique. Quoique. Ça va commencer ici, je pense. Très bien. Vache, ça a l'air sincère. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, bordel? La forêt récupère de sa verdure. Et c'est une fin d'épisode plutôt très intéressante. J'ai trouvé la lanterne de Taro. Il l'a certainement perdue alors qu'il cherchait les enfants. Apportez les répliques à l'arbre abattu. Il est temps d'aider Taro à trouver la paix. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Et on va s'arrêter là, tout simplement. J'espère que cet épisode vous a plu, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.